toujours là que je bloque. Ah ouais, là, j'ai toujours les deux faces et je fous tout en l'air pour trouver les autres. Bah, t'as qu'à décoller les étiquettes et les remettre au bon endroit. Non, non, non. Je veux y arriver. C'est en 1948 que Stig Dagerman séjourne en Bretagne, à côté de Quiberon, accompagné de sa femme Anne-Marie Dagerman et René, l'un de ses fils. Si le paysage breton inspire souvent la mélancolie, ce n'est pas fait pour lui déplaire. C'est ici, au numéro 36 de la route de Kernay, au premier étage de cette maison, qu'il écrira son roman le plus célèbre, L'Enfant brûlé, publié en Suède le 18 octobre 1948.